Ouais, salut mes birds, c'est Poirano, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode, si je dis pas de conneries, sur Wolfenstein The New Order. Donc je voulais juste débuter cet épisode pour vous dire franchement, je vous remercie Tarpin pour genre... Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que je m'étais pas remis dans un let's play, et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont vraiment... qui sont là, qui soutiennent, que ça fait vraiment plaisir. Je suis comme un enfant là, de voir toutes ces personnes... qui disent para ça y est, tu es de retour, enfin ça fait plaisir, etc. etc. Franchement, c'est un truc de malade, je vous remercie. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je m'attendais pas à que vous soyez autant à me laisser autant de petits commentaires comme ça. Genre, le king est de retour, le king beard, le roi des oiseaux est de retour et tout. Ça fait vraiment plaisir. Donc, franchement, je vous fais une grosse dédicace à toutes ces personnes, à toutes ces personnes qui me soutiennent. Donc, on est de retour pour le cinquième épisode. Pour ce cinquième épisode, j'avais pas mal de trucs à dire. Donc pour commencer, il faut qu'on parle à Caroline. C'est vrai, on s'est arrêté là. Donc on avait terminé le quatrième épisode, d'accord. J'avais fait une petite pause entre les quatre premiers épisodes et aujourd'hui. Il s'est passé deux, trois petits trucs. Donc je vais un petit peu vous raconter mon life, etc., etc. Mais pour le moment, on va se lancer dans l'histoire. Direct, parce que c'est avant tout ce qu'on veut voir. Qu'est-ce que c'est que ce portrait de merde là? C'était dégueulasse. Merci bien, mon cher Blazkowicz. Est-ce que tu es prêt pour ta mission? Chers amis, chers camarades, nous y voilà. Le projet murmure. Après plusieurs années de travail, il s'agit d'un nouveau type d'hélicoptère. Les nazis ont trouvé le moyen de le faire voler sans bruit et aucun radar ne peut le détecter. Anya a décrypté les communications nazies à Londres et a établi que les trois seuls prototypes existants se trouvent au centre de recherche du London Nautica. Avec Blazkowicz dans nos rangs, nous sommes enfin en mesure de passer à l'offensive. Désormais, nous ne serons plus obligés de fuir comme des rats. Lorsque ces machines seront notre possession, nous pourrons aller n'importe où, frapper n'importe qui. Nous reconstruirons le cercle de Kreisau. Armez-vous en conséquence. Nous allons nous insurger et les éliminer une bonne fois pour toutes. Ils pensent que la guerre est finie, que nous sommes faibles, vaincus, que nous n'avons pas le cran de nous opposer à eux. Et comme toujours, ils sont tort. Je dois me taper 14 heures de route. J'ai une infection des sinus. J'ai pas dormi une nuit entière depuis au moins 8 mois. Alors mettez-y du vôtre, parce que je le ferai pas une deuxième fois. Merci d'avoir accepté. La ferme. Tout ce que je veux, c'est en finir. Mort de rire et parler à un chien robot, tu sais. Danke, c'est gonna passer. Heil Hitler! Ah, Hitler. C'est à fond à l'architecture, c'est le London Nautica. Avant, c'était le centre-ville ici. Des combats éclataient à tous les coins de rue. Je te jure, la résistance était vraiment acharnée. Et puis les nazis ont installé la vigie de Londres et tout est parti en vrille. Plus rien les empêche de faire tout ce qu'ils veulent. Alors ils ont rasé tous les putains de bâtiments pour bâtir cette putain de monstruosité. Ça, c'est un centre de recherche de pointe. Ils étudient l'aviation, l'aérospatiale et tout. Caroline et les autres pilotes doivent être arrivés avec ton radio. Anya gère les communications à Berlin. Tu peux les joindre avec ça. C'est là que tu descends. Adieu, Blazkowicz. Rate pas ton coup, d'accord? De choc jusqu'ici. À toi de
mettre en position au sommet de la tour radio, à environ 7 rues de là. Où tu es, tu vas devoir accéder au dernier étage du Nautica et ouvrir les portes du hangar pour me laisser entrer, moi et les autres pilotes. Espèce de chacal, je me rappelais de toi. Alors, si je me rappelle bien, non, c'est pas par là. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire. Un truc de malade, lui, il a tout fait péter. Ils sont déterminés, là. Franchement, je vais pas vous mentir, j'arrive à peine du travail. Il est minuit. Je suis en mode vénère, là. J'ai envie de buter du nazi. C'est un truc de fou, frère. J'ai tous envie de les exterminer. C'est le mec énervé. Je sais pas si c'est par là. Ça a l'air, en tout cas. En tout cas, ouais, il y a plein de petits trucs. J'ai plein de choses à vous dire. Déjà, la première, rien à voir, un truc genre, ça y est, c'est la minute parano. Il raconte sa life. Mais je suis allé voir X-Men, le dernier X-Men au cinéma. Et franchement, j'en ai. Il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Je vous le conseille si vous avez le temps. Oh putain! Je me rappelais plus par contre, faisait cette apparition une deuxième fois. Bon, je pense qu'il va le faire encore 3 ou 4 fois. Je vous le conseille vraiment. Ça annonce vraiment du lourd pour la suite. Et je vous en dis pas plus pour pas spoil, mais vraiment à la fin, vous avez vraiment une grosse surprise. Et bien sûr, qui dit Marvel dit il faut regarder jusqu'à la dernière seconde du film après les cinématiques, après les crédits. Après les cinématiques, genre le mec il joue tellement un jeu. Jeu vidéo. Oh putain. Espèce de gros con, mais t'es vraiment con quand même. J'ai les plumes du bâtiment sous les yeux. T'as encore du chemin à parcourir. Donc c'était la minute parano, il raconte sa life. Donc X-Men à voir. Godzilla aussi, je suis allé le voir. Il est pas mal du tout. Moi je trouve que ça retrace plus, même si je suis pas un grand fan de Godzilla, je me suis un petit peu renseigné dessus et il y a pas mal de trucs intéressants. Ouais, après c'est Godzilla, hein, bien sûr, voilà, c'est une grosse bête qui terrasse la ville avec d'autres monstres et tout. Donc je le conseille aussi, mais sur X-Men, franchement, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu encore vraiment bien. Je vais pas vous mentir, c'est pas un film où il y a tarpin d'action ou un truc comme ça, ça parle beaucoup et tout, mais je le conseille très fat, très 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 fat. Je vais mettre le silencieux au cas où s'il y a du nazi. Je vais juste regarder une chose parce que ça fait longtemps que j'ai pas checké. Donc, il permet de transporter un couteau supplémentaire. Victime furtif au lancer de couteau. 2 sur 20. Oh là là. À couvert, ok. Faire 3 victimes. Oh, j'ai toujours pas fait ça. Merde. Victime grenade 5 sur 10. D'accord. Donc, petite chose aussi. Bonne nouvelle pour toutes les personnes qui suivent les let's play. Cette fois-ci, normalement, si tout va bien, demain, je devrais recevoir Watch Dog. Donc nous sommes le 22, donc normalement Watch Dog va débarquer à la maison. Donc si c'est pas demain, c'est après-demain, mais bon, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il fait lui. Donc bonne nouvelle. Oh, il s'est fait éclater lui. Mauvaise nouvelle, quoi, mauvaise nouvelle. Pour toutes les personnes qui aiment bien les vidéos de plus d'une heure et tout ça, je peux pas me permettre d'en faire pour la seule et bonne raison que j'ai mis juste à peu près... J'ai mis à peu près 12 heures. Je veux que tu ailles tout au fond, que tu franchisses la grande porte et que tu rejoignes le dôme lunaire. Fais ça comme il faut, Blazkowicz, et la mort de Bobby n'aura pas été vaine. Oui. Signe de la vigie de Londres. On a peut-être une chance, à condition de pas s'écraser en delta plane. Donc, j'ai été un petit peu coupé, désolé. Comme je l'ai dit, je privilégie le gameplay, les paroles, de l'interactivité. Que mes conneries, je vais déjà les dire. Putain, il y avait un truc là, non? Il n'y avait pas un papier, moi je m'en rappelle plus. J'étais en train de dire, oui, je pourrais pas faire des vidéos de plus d'une heure pour la simple et bonne raison que YouTube bug. J'ai mis à peu près 12 heures à upload la première partie. C'est pour ça que je l'ai sorti que maintenant en fait. Donc 12 heures. Qu'on soit d'accord, en fait, j'ai essayé de l'upload 4 fois la vidéo. J'ai la fibre, j'ai une super bonne connexion, j'upload à peu près une vidéo d'une heure en orage, hein. Franchement je dis pas ça pour me la péter ou quoi que ce soit, j'upload une vidéo d'une heure en 720p à peu près, je sais pas moi, 30 minutes ou maximum, un truc comme ça quoi. Mais maintenant il y a le traitement, donc le traitement de la vidéo c'est pas compté dans les 30 minutes de la vidéo, et ça prend encore 10 ou 20 minutes, et le traitement bloqué à 95%, il me l'a fait pendant toute la journée, donc j'ai fait 4 uploads. J'ai laissé tourner, et le quatrième il est passé, du coup voilà, après le reste c'est passé. Donc les vidéos de plus d'une heure, j'ai l'impression que ça bug, donc du coup... What? Du coup voilà, pas trop de vidéos d'une heure, je vais essayer de me calmer.
Donc c'est pour ça que... Oh putain, il m'a cagué ce con. Oh le bâtard. Normal. Normal. Donc voilà les vidéos d'une heure, c'est pas trop ça. Il faudra pas trop que j'en fasse. Donc je suis désolé pour toutes les personnes qui s'attendent d'avoir des vidéos plus d'une heure. Donc c'est voilà mon petit regret, mon petit truc, je n'ai pas le choix. Je suis obligé. Donc attendez parce que il n'y a pas si longtemps que... Il n'y a pas si longtemps je regardais. Non je crois que j'ai tout pris en fait. D'accord, donc maintenant je vais fermer un petit peu ma gueule et je vais un petit peu jouer. Ça sera bien aussi. Donc encore une fois merci. Franchement j'ai pas les mots à chaque fois. C'est le genre de truc que j'arrive pas quand je vois que j'ai du soutien comme ça. Je vois qu'il y a Tarpin de gens. C'est, pour les gens qui ne comprennent pas, Tarpin ça veut dire beaucoup. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de soutien. C'est un truc de malade. Oh là là. Donc on va essayer de pas faire le con. Par contre deux petites secondes, c'était furtive hein, que je dis pas de bêtises. Victime ou lancé. Victime furtive, d'accord. Donc ça sert à rien que je le fasse avec ça, d'accord. Bon, on va prendre un petit peu toutes les munes et on va aller un petit peu faire bordel. C'est ce que je voulais de toute façon, me faire plaisir. On va foncer dans le tas. Donc on veut tuer du nazi, on va en tuer. Donc je vous le dis là, je rentre du travail, je suis énervé là, j'ai envie de tout niquer. Donc petit réflexe Call of Duty, j'ai remarqué quand j'ai regardé la première vidéo, j'ai regardé un petit peu la première vidéo et j'ai remarqué que je rechargeais énormément. Donc c'est un réflexe de code, de BF ou de tout ce que vous voulez. Ah tu es dans la merde là. Donc petit réflexe, je vais essayer de me calmer parce que c'est vrai que je recharge énormément. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je tire, je recharge. Et c'est pas très 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 bon. Ouh. Ah merde. Ah oui, la bombe UM. Ah quelle merde. Ah ça c'est la merde. Eh oui, du coup comme la truc ils l'ont tasé. Oh, ça marche très très bien aussi quand elle est dessus le socle. Dessus le trépied on va dire entre guillemets parce que le socle. Die nazi die. Donc pour toutes les personnes qui ne sauraient pas, ce jeu est a été très censuré en Allemagne. Il faut pas trop parler de nazis en Allemagne. C'est un peu un sujet tabou. Je fais bordel mais j'ai plus de munitions. Ah il y en a des munes là. Donc on va regarder s'il n'y a pas des petits secrets à découvrir. Direct hein, on cherche pas, voilà. On va descendre, on va lui faire sa fête. Oups, je crois que j'ai failli. Ok, normalement, il doit être par là. Il est par là. Je crois qu'il bougera plus. Ok, voilà ce que j'avais un petit peu à dire. Donc les choses bien et pas bien. D'accord. Lui blablate. Non mais je veux plus là, merci. Donc j'ai un petit peu parlé de tout, du moins je pense. Ce jeu il est énervé, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu. Si, j'ai oublié de parler d'une chose, donc pub ou pas pub, vous le prenez comme vous voulez. Moi je sais que voilà, je suis une personne, pour les personnes qui me connaissent et ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous le dis direct, moi je suis pas un mec, je suis pas un petit bourgeois, parce que voilà, on s'en fout mais... Genre voilà, tout le monde le sait, on est en 2014, l'argent, voilà, c'est un petit peu chaud et tout. Donc c'est vrai que, où je vais en venir avec tout ça, les jeux 70 euros et tout ça, c'est un petit peu cher.
ou 50 euros sur PC. Donc moi je vous conseille, si vraiment vous kiffez ce jeu, je vous conseille un site où je suis partenaire, quoi. Je suis partenaire, c'est un grand mot aussi, oui. Il m'offre pas mal de jeux pour vous les présenter en let's play, et en contrepartie je leur fais pas mal de pubs. C'est comme ça que ça marche, hein, les gars, vous connaissez maintenant. Et par contre, ça peut être très très bien pour les joueurs PCistes. Par contre, ils ne font pas des jeux PS3 ou Xbox ou PS4, mais pour les PCistes, vous avez ce jeu actuellement, Wolfenstein, à 30 euros sur leur site. C'est acheté que les CD, vous le connaissez, je pense que je le conseille à pas mal de gens. Vous avez tout dans la description, donc je vous le conseille, les gars. Voilà, pour que ça soit pour du Wolfenstein ou n'importe quel jeu en général, sur PC, je vous conseille ce site. Il est vraiment fiable, viable, et vous avez les jeux en moins de 5 minutes quand vous les commandez, bien sûr, quand ils sont sortis, ou sinon quand vous les précommandez, vous recevez la clé directement via mail à la sortie du jeu ou quelques heures avant sa sortie. Donc voilà un site que je conseille, parce que je pense que franchement, quand vous regardez un gameplay d'un jeu comme ça, c'est obligé, vous avez envie d'acheter. C'est... Personnellement, moi qui aime beaucoup, c'est un grand mot, je me suis beaucoup détaché des FPS. Ça fait un petit moment que je ne joue plus trop aux FPS. Mais celui-ci, je l'ai dit, je le redis encore, franchement, il me fait péter un plan, mais vraiment. Donc, voilà, c'était petit coup de pub vite fait pour acheter que les CD. C'est vrai que je le fais pas souvent. C'est quelque chose que j'essaierai de faire à chaque fois, au moins une fois sur mes let's play quand c'est des jeux PC. Là, franchement, je vais pas vous mentir, je me languis tarpin. Watchdog, donc demain ou après-demain, normalement, le jeu. Ici, normalement, sur cet endroit précis, vous avez aussi une autre médaille, donc à chercher sur la map. Là, je pense que j'ai tout pris. Donc voilà, on a fait un petit peu de TB. Je vais prendre un petit peu le snipe parce que je sais un petit peu ce qui m'attend. Ciao bébé. Voilà. Donc voilà les petites choses que j'avais envie de dire. Donc zone assez chaude, cette zone elle est un petit peu cassette. C'est pas grave, on va essayer de les... Ouh, headshot ou headshot? Il est où? Nazi intelligent. je vais pas trop jouer au snipe parce que ça m'a été reproché sur mes let's play, que ça soit sur code, code ou BF. J'ai joué énormément au snipe, c'est pas ma faute, hein. C'est une arme que je joue très peu en multi et que je privilégie un petit peu sur le solo. Je me venge, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai énormément joué au snipe sur ces FPS. Déchiquetage de tête là. À tout va. Zone un peu casse-tête, très belle à la fois, j'aime beaucoup. Donc je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais parler. Du côté bien, pas bien, un petit peu de pub, un petit peu de ci. J'espère que vous allez bien parce que là c'est vrai que ça y est, il commence à faire chaud. Moi je sais pas chez vous, je sais pas où vous habitez. Bon, à Marseille c'est un truc de malade, il commence à faire tarpin chaud, même si il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent, ça fait chier. Mais on n'a pas le choix, on fait avec. Ça annonce peut-être un petit été pourri, mais... Ah, j'entends une deuxième. Donc je vous ai dit, là, je suis en mode énervé, j'ai envie de tout casser là. Là, j'ai envie de tout casser, je suis comme ça moi. Hop, il y a un petit truc là. Mais où est-il? Ok, par contre, il est toujours... Non. Si. Ah, coursi. Le dieu. Mort de rire. On va essayer de pas se vautrer. Oh, double shotgun. Double shotgun. Oh là, je crois que c'est pas la bonne zone pour jouer au double shotgun.
un zombie. Oh, un zombie. Un nazi intelligent. Se cacher quoi. Die bitches, die, die, die. Ça l'a pas explosé? Oh, calme-toi. Il fait des bruits chelous. Oh, oh yes. Oh, regardez-moi ça, franchement un truc de fou. Tu n'es plus. T'as perdu les bras ou quoi, ma gueule? Ok. Oh putain, il m'a fait peur lui. Cherche une trappe sur la paroi. Elle cache un tunnel qui mène à la cage d'ascenseur. D'accord. J'aimerais bien récupérer, non? Ok. J'ai vu le jeu tourner aussi sur PS4. C'est pas mal du tout, franchement. Pas mal du tout. Pas mal du tout le jeu tourné. Ok bitches. Je trouve qu'il tourne super bien aussi sur console. Plutôt beau. Bon bien sûr, quand je disais que le jeu pour moi il est beau, même en médium, entre moi mon record, le fait que je fasse le rendu en MP4, parce que maintenant j'essaie de le faire MP4 pour que ça soit un peu plus rapide, j'en ai marre de faire des rendus 3 heures, plus le traitement de YouTube qui massacre la vidéo. C'est vrai que j'ai regardé sur YouTube, c'était pas très... c'est pas si joli que ça, mais je peux vous assurer qu'il est quand même très très beau. C'est pas non plus voilà un truc de malade, mais voilà, c'est regardable. Ciao Nazi. Donc je vais pas vous mentir, je me suis arrêté à peu près à cette zone ici, cette zone, ouais, juste un peu plus loin. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens artefacts, anciens mais d'une technologie avancée. Des parchemins, on dirait de l'hébreu. Les nazis doivent essayer de comprendre comment fonctionnent ces trucs. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial? Date Yishud, Delta Alpha apostrophe, Alpha Tango Espace Yankee India Charlie Hotel Uniforme Delta. Vous trouverez peut-être des choses en relation avec ça dans nos archives, Alia. Essayez de chercher des références à Date Yishud. D'accord, très bien. Soyez prudents surtout. Je l'apprécie, Blaskowitz. Excellente trouvaille. Pense à nous rapporter le maximum de choses que tu trouveras sur ce Date Yishud. D'accord. Donc après le projet Murmure, on parle de Date Yishud. Donc faut que je trouve des objets. J'ai oublié de mentionner un point. Je comptais pas le faire. Mais je pense que je vais le faire. Gros point négatif que j'ai entendu, que j'ai vu de mes propres yeux. Le jeu Wolfenstein The New Order, qui nous avait dit, qui nous avait été dit qu'il faisait près de 40 heures de jeu, après a été diminué à 16 heures. Fini que j'ai vu une personne le terminer en 6 heures. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté, je m'attendais à une campagne genre de 20 épisodes, au moins que je l'ai tourné au moins 20 épisodes. Et il s'avère que ben, le jeu est plus court que prévu. Donc ça fait un petit peu chier, je vais pas vous mentir, ça fait chier. Donc je sais directement ce qu'il faut faire. Je vais pas faire le mec genre. Gros point aussi positif. Positif, ça vous a plu. Le petit point qui a plu aux gens et qui plaise encore, c'est que souvent avec X, on se partage. Merde. Il faudrait que je recharge. Il est là. On se partage souvent, comme on fait souvent, parce que voilà, on a tous les deux une chaîne de let's play, on fait souvent les mêmes jeux, hein, ça nous a été reproché, il y en a qui sont contents, parce que genre on a deux visions différentes, et deux approches différentes du jeu.
Et quand on peut, quand on peut le faire, avec X, à chaque fois on se met d'accord sur un jeu. Et on se dit par exemple, au lieu de faire les deux côtés, toi par exemple, il y a deux phases sur le jeu en fait. Au début de jeu, si vous n'avez pas suivi l'aventure, il y avait soit le côté où vous avez un choix de tuer soit une personne, soit une autre. Et au lieu de faire les deux histoires et se casser la tête à faire les deux fins ou quoi, s'il y a deux fins différentes, on a décidé que X tuait la personne de gauche et moi que je tuais la personne de droite. Et ce choix a beaucoup plu à certains d'entre vous qui regardaient les vidéos sur les deux côtés. Peut-être que ça change. Peut-être que ça change, je n'ai pas encore regardé les vidéos de X pour vous dire. J'ai récupéré la carte pour le coup. Donc bien évidemment je mettrai la chaîne de X dans la description pour toutes les personnes qui découvrent et qui ne connaîtraient pas. Même si je pense que ça sert à rien de le faire, mais bon, si je vais quand même le faire parce qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas. Hein, OMG. Carrément. Carrément. Ben oui bro. Ok. Bon, vous avez compris ou pas? C'est plus genre... D'accord. Je vois un petit réseau de plomberie derrière la paroi nord. Il devrait y avoir un accès près du sol. Cherche bien. C'est bon, t'inquiète, j'ai trouvé. Ok. Environ deux étages au-dessus, il y a un accès qui conduit directement au hangar. Je veux juste voir une chose. Non, je voulais juste voir s'il y avait un petit passage secret ou un truc comme ça et tout. Je l'ai pas regardé sur la carte, donc ils me disent là-bas en haut à droite, ok. On va y aller de ce pas. Et je pense que dès qu'on terminera la zone suivante, j'arrêterai la vidéo. Encore une fois, pour des choix de ben, YouTube bug et ça me casse la tête quoi. Je suis jamais passé par là. Hein. La première fois. Oh putain, je crois que j'allais tomber. Ah ben GG, voilà. Ben je t'ai jamais passé par là. Donc petite médaille d'or. Donc en même temps on trouve des trucs. Bien ça, c'est bien, c'est bien. Il doit être tout prêt. C'est dans le hangar que sont entreposés les prototypes du projet Murmure. Oh shit. Ah la dinde, du coup j'ai plus de... J'ai l'impression qu'il se recharge, non? Vite avant que j'ai plus de... Ok, bon. On va finir cette zone. Et après, je pense que on va s'arrêter là. Est-ce que j'ai des munes? 20 balles. Ok. Sachant que ça, 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 ça. Et si je faisais un petit peu de couteau, histoire d'améliorer un petit peu mon... Non? Ça serait très très bien, je trouve. Non, moi j'en ai 3. Couteau. Donc on va essayer de le faire bien. Est-ce que je vais l'avoir celui-là? Je l'ai pas eu. Bon, c'est pas grave. Petit moment de solitude pour moi, je pensais l'avoir mais je l'ai pas eu. D'un coup j'ai dit oh, je suis trop bon frère. Non non, rien du tout. Alors il y a pas mal de trucs. Ah, il y a deux commandants. Oh la merde. Oh la merde. Puis il y a des robots, il y a de tout. Là il y a de quoi se faire plaisir. Ok, j'ai trouvé. Monte mon ray, monte. Allez. Oh le petit truc de mesquin. Vite, 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 vite. Lol, lol, lol. Ok, 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 ça va, ça va. C'est encore un chasse?
J'ai eu mon biais. Pardon, excusez-moi. Pas quand même que je m'emporte, c'est pas parce que je suis content que je vais commencer à parler mal. Je peux pas lui sauter sur la tête, faire un truc. C'est ça là? Noex m'a dit que leur point faible était normalement derrière. Comme si je vous disais sur la nuque. Mais c'est deux shotguns là comme ça, mais c'est deux. Bon du coup les commandants Osef quoi. Il est où? Oups. Plus de tête baby. Alors est-ce qu'il y a des trucs? Il y a toujours des munitions cachées. Oh merde. Oh amélioration. Normal. Là il s'est décomposé, normal. Ah plus de balles. Et j'ai envie de le garder parce que je sais ce qui va arriver par la suite, donc j'ai pas envie de faire le con. Allez, double sniper. Un truc qui sert à rien normalement. Bah bon pourtant j'arrivais pas à l'avoir le mec. Oh t'es sérieux mon vrai? Ok. Heureusement que je joue pas Uber là parce que là je serais mort depuis des lustres. Ah le fameux. Ah oui oui oui. Oh oui oui. Donc voilà, vous avez vu leurs points faibles. Nazikao, robot Nazikao, j'ai tout pété et j'ai récupéré les hélicos. Nazikao, robot Nazikao, parfait. Mort de rire. Donc ça, soi-disant, c'est un boss. Hein. Bon, bien sûr, nous sommes en normal. Donc, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Option, amenez-vous. On va mettre en difficile, on va voir non comment ça se passe. Je suis là mon incarné, si je meurs trop de fois, je changerai. Parce que là, vous l'avez vu, clairement vu, c'était un boss. Hein. C'était un boss, le truc qu'on a. D'accord. Donc, ni vu ni connu le bordel. On est à 33 minutes de vidéo, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'après la scène. T'es sérieux? Non, c'est une blague! Oh putain, c'est des fous, je te jure. Est-ce qu'il y a des petits trucs à prendre? Non, j'ai fait toute la zone. La musique elle était énervée hein. Vraiment hard, j'ai kiffé. Donne-moi un coup de main, Blaskowitz. Je n'ai pas tout à
Kina. Pour survivre. Je te croyais morte. Mes souvenirs sont flous, mais je me rappelle avoir connu Hans Krause. Et d'avoir filé à travers le ciel. J'ai presque cru que j'arrivais au paradis. Et je suis tombée, j'avais mal. C'était épouvantable, comme si mes entrailles me sortaient par la colonne vertébrale. J'étais paralysée, j'ai dû ramper. On m'a retrouvée dans un fossé au bout de 3 jours. Ensuite, j'ai passé de très longs mois dans un lit d'hôpital. On me plantait toutes sortes de tubes dans les veines. Une infection, ce sont des choses dont je préfère ne pas me rappeler. Je suis désolé pour tes jambes. Mais non, j'ai appris à voler. Voici notre nouvelle priorité. Que sont les dates Yeshud? Comment peut-on les contacter? Anya, que savons-nous? Pas grand-chose, mais j'ai ma petite idée. Bien. Anya, vous allez mener les recherches. Blaskowitz, tu vas l'aider à réunir tout ce dont elle a besoin. Ya? William, j'ai besoin de toi. Tu peux venir voir une seconde? Ouais, elle était énervée la musique, hein. Franchement, elle était hard, hein. J'ai kiffé. Hein. Donc écoutez, avant de faire quoi que ce soit, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai rien à récupérer, non. Donc écoutez, merci d'avoir regardé encore cet épisode. C'est l'épisode numéro 5 de la série Wolfenstein The New Order à mes côtés. Je vous remercie encore pour tout le soutien, les gars. Ça fait vraiment, vraiment zizir. Donc moi, je vous dis à bientôt. C'était Parano, les peace.